Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, même si j'étais très très triste pendant un bon moment. J'ai quand même décidé de vous poster cette vidéo où je prépare mon voyage avec mes enfants. Allez, je vous laisse regarder. Du coup, les filles, première étape de cette vidéo. Donc, c'est parti pour aller faire le test du corona. Franchement, je suis dégoûtée, mais bon, au moins les enfants ne doivent pas le faire. Il n'y a que moi. C'est la troisième fois que je le fais. Franchement, je suis tout le temps comme ça. Mais bref, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je fais le test du corona. Ensuite, je vais chercher deux iPads pour les bébés. On en a déjà un. Comme ça, pas de dispute. Parce que d'habitude, quand j'en prends un ou deux, ça fait tout le temps des problèmes. Donc là, je vais en prendre deux autres. Ça nous servira toujours. De toute façon, je vais leur mettre des jeux, des exercices dedans, des films, des dessins animés et tout. Je vais leur mettre plein d'activités à faire. Comme ça, ben, ils pourront s'occuper à l'aéroport et dans l'avion. Et après, je dois aller échanger des vêtements que je leur avais pris qui ne leur allaient pas aux enfants. Et acheter également des protections pour les iPads. Donc voilà, ben c'est parti. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ben je vous emmène avec moi un petit peu. Franchement, je pense pas que je vais pouvoir me filmer pendant le test du corona parce que, genre, je sais que je vais pas être bien. J'ai honte de demander à mon chauffeur de me filmer, genre, please, it's possible. Il va dire, ouais, genre, il va se dire, elle est malade celle-là. Déjà, quand il m'a vu sortir avec mon. Vous savez, j'ai mon nouveau joujou là. Comment ça s'appelle déjà le stabilisateur? Il m'a dit, ah, il est bien et tout. J'ai dit, yeah, it's very, very nice. je le quitte plus, je kiffe. Genre, j'aime trop, c'est super fluide et tout. Ça suit mes mouvements, genre, et tout, tu vois. Trop d'art. Bref, allez, c'est parti. Donc voilà, du coup, j'ai pris deux iPads. Donc, ils en ont déjà un. Et du coup, je suis allée prendre ça et je suis allée mettre protection de l'écran parce que, hein. Je les connais, ces gosses-là. Donc voilà, là, je vais les mettre. Je vais mettre les iPads dans chacune des protections. Donc ça, c'est à Maïsabella. Il n'y avait pas du rose. Ça, je pense que ça sera à Naïl. Et celui-ci à Kaïs. Du coup, j'ai mis chaque coque pour chaque enfant. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable pour moi. Quand je prends l'avion, ils me font tellement la misère. Donc là, j'espère que tout va bien se passer. Donc là, j'ai chargé les casques. Donc il y en a trois, bien sûr. Je leur ai mis à chacun les dessins animés qu'ils aiment. J'ai téléchargé des films et des dessins animés sur Netflix par rapport à ceux qu'ils aiment. Et voilà, espérons que ça va bien se passer. Moi, je trouve que c'est trop pratique. Simon, il s'est grave moqué de moi. Il m'a dit, mais c'est quoi ces protections et tout? Mais déjà, c'est pour les enfants, donc c'est bien. En plus de ça, ben j'ai mis un verre trempé pour la protection. Mais ça, je trouve que ça protège tellement. Genre, même s'il tombe comme ça, c'est tellement épais que du coup, ça, ben, ça protégera dans tous les cas. Du coup, moi, je m'en fous des gens, franchement. Tant que mes enfants, ils sont à l'aise et que c'est pratique pour moi et pour eux, ben tant mieux. Donc voilà pour tout ce qui est jeu. J'ai également téléchargé, je vous avais posé une question sur Instagram, merci d'ailleurs, vous avez été très nombreuses à m'avoir répondu. Et du coup, j'ai téléchargé également des jeux éducatifs. Bon, les filles, après, je me pose 2 minutes, je viens de sortir de la douche, franchement. Oh là là, j'ai fait le test du Covid et franchement, je sais que enfin c'est toujours désagréable, hein, mais là j'avais pas envie. Genre j'étais là, elle s'approchait, je faisais oh, comme ça, je voulais trop que mon chauffeur il me filme, mais j'étais tellement hein, genre j'avais peur, c'est trop bizarre alors que je l'ai déjà fait le test. Hein. Mais en fait ça me saoule, genre je comprends trop parce que Simon il doit en faire un chaque semaine et à chaque fois il me dit oh vas-y j'ai trop le seum, j'ai pas envie de faire. Et à chaque fois je disais mais t'es sérieux, genre maintenant t'es habitué, mais en fait tu t'habitues jamais de ça, genre c'est horrible, horrible, horrible. Donc vas-y, j'ai dû faire le test là. Franchement, ça m'a grave saoulé. Ça m'a grave saoulé. Même si l'âme avant, elle me faisait dans la bouche et dans les deux narines. Enfin, j'ai dû le faire une fois ou deux le test, je crois. Et voilà. Mais maintenant, elle fait que les narines, mais elle fait une après l'autre. Bref, on va prier pour que mon test il soit négatif. Du coup, j'ai les résultats demain. Donc j'ai les résultats demain. J'ai acheté les tablettes. J'ai acheté les protections, j'ai mis les verres trempés. Voilà, demain, grosse journée, je vais aller me faire coiffer. Les enfants vont se faire coiffer. Attention à ma tête, franchement. I'm sorry. Allez, je suis trop excitée de revoir mon chéri. Oh là là, j'ai trop... Bon, allez, on se retrouve demain, du coup, pour la suite des aventures de la préparation. Go to Germany. Donc ensuite, vous allez vous dire, mais Sassy, tu pars pour combien de temps? Donc en vrai, là, je pars de jeudi à mardi, si Dieu le veut.
Donc voilà, même si je pars que quelques jours, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc chaussettes, caleçons, peignoir, parce que ben du coup, je sais pas trop si à l'hôtel il fait froid ou pas. Leur pyjama, donc ils ont chacun leur peignoir, leur pyjama. Là, j'ai les chaussons des trois. Donc les chaussons, leur paire de chaussures et après voilà des vêtements chauds, des vestes. En fait, je me dis trop. Imagine ça si tu restes coincé là-bas. J'ai tellement peur que franchement, je me dis tant pis, c'est pas grave. Même si je prends beaucoup, bah au moins je serai pas surprise. Donc là, j'ai rempli une valise des habits de Kaïs et Naïl. Du coup, j'ai fini les valises des enfants. Donc du coup là, je commence mes vêtements. Donc ce que je fais, je suis tellement KO. Hein. Franchement, là, je rentre dans une phase de fatigue. Je prends, d'habitude j'enlève les cintres, hein. Mais là du coup j'enlève pas les cintres. Donc là c'est tous les vêtements en fait que j'ai chopé à la Black Friday. Donc comme vous le voyez, il y en a beaucoup. Je devais faire un haul sur YouTube et je me dis que si je ne rentre pas, je le ferai là-bas. Et ouais, je prévois tout. Donc voilà, je continue tout ça. Voilà, j'ai tout mis dans la valise. En fait j'ai l'impression que je vais jamais finir. Du coup là, faut que ben je choisisse quand même quelques vêtements ici. Il faut que je choisisse des vestes. Donc je vais pas abuser. Normalement je rentre mardi, mais étant donné que c'est pas sûr, c'est pour ça que du coup je vais en prendre minimum 3. Entre fourrure, veste basique, veste longue, je sais pas. Je sais pas. Ici, là, j'ai fini de faire ma valise. Il me manque encore quelques affaires. Je le ferai tout à l'heure. Là, je vais dormir 2 heures parce que du coup, on doit prendre le vol à 5 heures du matin. Enfin, le vol. On va à l'aéroport à 5 heures du matin. Donc là, les valises sont prêtes. Là, il me reste encore une valise que je dois finir de remplir tout à l'heure. J'ai préparé les tenues des enfants. Donc là, c'est Kaïs avec ses chaussures, Maïssa Bella et Naïl. Donc voilà, tout est prêt. Moi, ben, je le ferai le matin quand je me serai apprêtée, maquillée et tout. Je sais pas du tout comment je vais m'habiller. Donc voilà, je suis grave stressée. Je sais même pas si je vais réussir à m'endormir. Mais bon, dans tous les cas, il est 3h, 2h. Il est 2h du matin. Le chauffeur, il vient me chercher à 5h. Donc, faut que je me lève au moins, je pense, à 3h30. Parce que du coup, faut que je prépare également les enfants. Il y a la nanny qui est là, mais elle sait pas faire leurs cheveux et tout. Moi, j'aime bien leur faire leurs cheveux. Donc, je pense que je vais me lever à 3h30 pour finir le reste de mes bagages. Et du coup, pour me préparer. J'ai trop, trop hâte. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai abusé, hein. J'ai pris trop d'affaires. Mais je me dis, en fait, ça, si, vaut mieux en prendre trop que pas assez, en fait. Parce que, imagine, je reste coincée là-bas. Bref, du coup, ben, je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais dormir. Franchement, je suis KO. J'ai trop peur d'avoir des cernes de ouf demain. Parce que là, du coup, je vais dormir ouais, 1h30. Je vais mettre 10 000 réveils dans mes deux téléphones. Et bref, à tout à l'heure pour la suite des épisodes. Je viens de me réveiller. Genre, j'ai pas entendu le réveil. Du coup, j'ai 30 minutes de retard. Donc, faut que je speed à fond. Je suis KO. Je vais me doucher et me préparer en rapide. Je suis KO. Vous êtes réveillé trop tôt. Hein, Naïl, ça va mon bébé? Non, bébé. Ça va, Thaïs? T'es stressée? Hein? Je suis pas stressée. T'as question? J'ai pas dormi toute la nuit. Tu vas dormir après, t'inquiète pas. Hein? Et ben, vous, maintenant, j'ai pas dormi, je suis normal. C'est un peu dans les vapes. Hein. Mais Isabella, ça va ma bébé? Maman, on disait, quand si on était dans un rêve. T'as l'impression d'être dans un rêve. Ouais. Et Naïl, toi, ça va bébé? Oui bébé? Bisous maman. Fais bisous maman. Mouah. I love you my baby. Allez, vous déjeunez comme ça après, vous douchez. Ok les bébés? Maman. Hein bébé? Maman. Ok. On y va Naïl. T'es prêt bébé? Purée, je suis grave dans le speed là. T'es prêt les loulous? Oui, mais maman, okay. Enlève ça de ton sac, enlève ça. Oui, allez Naïl, reste là. Oui, on attend Jiane et c'est bon. Oui, et ferme le sac de Naïl, s'il te plaît bébé, ok? Maman, elle arrive, elle finit. Imagine, t'as pris mon sac à main, je check que j'ai rien oublié. Et tu le savais, c'est le stress total. Genre, je suis
trop en stress, je me suis levée en retard et tout. Du coup, je me suis habillée en rapide. J'ai mis un jogging comme ça, bah au moins, je suis sûre de pas d'être à l'aise, quoi. Et voilà, allez, c'est parti. De toute façon, je vous filme dans la voiture. Alors, les bébés, ça va? Vous êtes pas trop stressés? Ouais, mais j'ai dit à la copine que je ne peux plus résister. Je dis à ma maman. Doucement, on est dans l'ascenseur. J'ai dit à ma copine. Bon, du coup, les filles, là, ça y est, on est dans le van. Je me suis levée en retard, j'ai dû se piger. J'étais là, je mettais tout et n'importe quoi dans la valise. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pris. On a droit à 4 valises. Donc comme je vous l'ai dit, on a droit à 4 valises de 40 kg. Du coup, après, on peut les éparpiller parce qu'il ne faut pas dépasser 32 kg dans une valise. Bref, du coup, en tout, j'ai 5 valises et un sac. Ok, Kaïs, attends 2 secondes, bébé. J'ai 5 valises et un sac et je suis trop partie dans le speed. J'ai vraiment pris tout et n'importe quoi. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Donc au moins là, comme ça, ben, je serai bien. Même si je suis coincée, ben, c'est pas grave, j'aurai tout ce qu'il me faut. Et voilà, j'ai trop hâte d'arriver, je suis KO, mais vraiment. Ça va, bébé? Ouais, ça va super bien. Il est en train de jouer, il est à fond. Mais je crois qu'en fait, elle veut pas Elsa. Tu veux regarder Elsa? Non? Mais Sabella, tu regardes la Reine des Neiges? Oui? T'es contente? Vous pensez qu'on va aller où? On sait vraiment rien, mais j'espère que ce sera super bien. Ouais? Mais c'est sûr, ce sera super bien, moi je te dis. Mais il ne veut pas me parler. Mais Sabella, princesse? Tu penses qu'on va aller où? Je pense qu'on va aller. Je pense qu'on va pêcher. Pêcher? Aller à la pêche? C'est vrai qu'ici souvent il y a des gens qui pêchent, mais non, on va pas aller pêcher, ma princesse. Mais de toute façon, ça sera une big surprise et vous allez être trop contents. Ouais, d'accord, mais pour l'instant regarde. Oui, voilà, le temps qu'on arrive déjà au premier endroit, ok? Ta tablette après, tout à l'heure, d'accord? Comment il fait froid à Istanbul, je suis choquée. On est arrivé à l'aéroport là. Du coup, on va aller enregistrer les bagages. Les bébés, ils sont trop excités. Kaïs, il pense qu'on va déménager. C'est faux, c'est pas ça. Mais Isabella, toi, tu penses quoi? Qu'on va où? Je pense qu'on va aller en avion. Qu'on va prendre l'avion? Elle est très intelligente, ma fille. Ah, oui, oui, Kaïs, dépêche-toi, comme. Comme, comme, comme. Il est tellement grand à l'aéroport. La course va marcher. On doit faire la course, on va marcher. C'est sans moi. Et la course, elle se passe pas mal. Kaïs, il est en forme, on dirait. Il est 14h. Excité, là on va s'enregistrer. L'aéroport il est tellement grand. Maïsabella, elle a un peu deviné qu'on allait prendre l'avion là. Donc là c'est parti, on va s'enregistrer. J'ai trop hâte, purée. Genre je suis trop contente là. Allez, c'est parti. Hein, Kaïs? Ah ouais? Bon, bah déjà pour ça, vous avez raison, on va prendre l'avion. Vous êtes content? L'avion? Ouais. De l'avion pour aller où après? Eh bah tu verras. Ah, mais il savait là. Ouais. Ça fait des plus longtemps qu'on est allé en avion. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris. Aïkon? Ok. Allez, venez. Kaïs? Je dis, toi, t'es toute la famille. On n'est pas une famille? Toute la famille, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire qui encore? Maman. Mais il manque quelqu'un. Il manque qui?
papa. Ah. Et en plus la famille, ça attire tout le monde, mais là pas tout le monde vu que là pas papa. Ah, c'est vrai. Mais on peut discuter alors quand même avec votre mère, non? Ah, Naïl. Oui. Naïl. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais il parle parce que l'avion c'est spécial ici. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est toi qui m'as dit. Hein. Bon, du coup, ça y est, on s'est enregistré, tout s'est bien passé. Bon, j'en doutais pas, hein, on avait droit à 40 kilos chacun, plus 4 fois 8 kilos. Donc j'étais largement, je pense qu'il restait même. Naïl, doucement, il restait même. Du coup, là, on attend parce que. Naïl, arrête bébé! Naïl, arrête! Maman! Oh là là, il commence déjà lui à me rendre fou. Il est KO. Il fait n'importe quoi. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, vu que les enfants, ils sont restés très très longtemps à Istanbul et qu'ils n'ont pas de carte de résident, etc., on doit payer une taxe. Et franchement, c'est quand même assez cher, moi, je trouve. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'on doit payer. Pas le choix. Du coup, là, mon chauffeur, il est allé payer. Et moi, je reste avec les enfants en attendant. Hein, les enfants? Ouais. Oh là là, je suis KO. Franchement, je crois que... Je crois que je vais dormir après. Naïl, c'est bon? Naïl, il est en train de manger. Non, c'est bien. Kaïs, il est en train de jouer à la Barbie. Hein? Si, si. Bah, Kaïs, c'est quoi? T'as le droit? Oh là là, c'est rien ça. Ah bah, regardez où vous avez vu. Bah, c'est rien. Oh, le menteur! Oh là là! Rien. Tu vas aller en prison. Voilà, mais ça! Elle a montré! Ouh là là, Kaïs! Non, j'efface pas. Non, je vais pas. Et Kaïs. Et voilà, Kaïs qui continue à jouer. Regarde. Mais c'est rien, ça, Kaïs. Oh là là. Pourquoi t'as honte comme ça? Alors, moi, je m'éclate hein, avec mon engin. Je suis KO. Franchement, je suis trop fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Oh, c'est bon. C'est bon, t'as fini de jouer, ma princesse? Ouais. Ouais. C'est quand qu'on va aller en avion? C'est quand qu'on va aller en avion? Naïl, t'as bien mangé mon lapin? Oui? Tu as bien mangé mon doudou? Il est là ton doudou, tu l'as dans les mains. Oui! Non mais lui il croit trop que c'est un prince. Genre il fait que de pleurer depuis tout à l'heure, il me fait la misère. Mais Isabella elle veut que je la porte. Vous commencez déjà là? Hein? Ouais bah Kaïs il va aller dans le chariot. Non mais c'est ça, papa, votre problème à vous. Maman, vous pouvez pas être gentil jusqu'au bout quoi. Mais maman, nous on a pas le droit d'aller en avion. Je t'ai dit on va aller. C'est ça leur problème, ils sont trop pressés. C'est pour ça que je leur ai pas dit la surprise. Parce que je les connais. Naïl, problème hein. Non, problème. Si, problème. C'est vite le problème. Oh. Et là ils sont en train de passer dans la phase impatience. Donc relou. À faire n'importe quoi. Ouais, vroom vroom, à foncer dans les gens, à me foutre la honte. Et du coup, là, on doit attendre parce qu'apparemment, il y a un problème. Étant donné que j'ai pas la carte de résident, je sais pas, je crois que je vais devoir payer pour moi, du coup. Arrête! Arrête, Naïl! Non! Oh, il me rend ouf, celui-là. Lui, là, c'est le pire. C'est avec lui que je veux pas voyager parce que je le connais, celui-là. Oh là là, Kaïs, franchement, t'as quel âge, bébé? Ouais, j'ai envie de m'allonger, Bibi, c'est ça. Allez, allez-y. Bon, là, franchement, je suis KO de ouf. J'ai le seum. On avait tout bien fait. On est allé payer pour les enfants. Du coup, il s'avérait que c'était un peu moins cher. Et au final, on va et ils disent que moi, je dois quand même repayer. Sachant que, je parle doucement parce que les enfants, ils savent pas où on va. Sachant que moi, l'autre fois, quand je suis allée voir Simon, j'avais déjà payé. Donc, normalement, c'était bon. Ben non. Là, va falloir encore que je paye parce que j'ai pas de carte de résident. Et en fait, c'est tellement loin. Moi, j'ai trop une flemmarde. Genre, là, j'ai chaud, mais dehors, il faisait trop froid. Au début, je me suis dit, non, je mets juste ce gilet. Et au final, dehors, j'avais trop, trop froid. Du coup, heureusement que j'ai pris ma veste, mais dedans, là, j'ai chaud. À force de marcher. Avec le... Oh, bref. J'en ai marre. Je suis KO. Et les enfants, ils commencent à me rendre ouf. J'avais dit à Simon, je lui avais dit. J'avais dit, non, franchement, bébé, les enfants, ils vont me rendre ouf. Oh là là. Bref, je vous tiens au courant. Problème actuel, Kaïs il boude.
Parce que Kaïs, il veut aller dans le chariot, parce que Maïssa, Bella et Naïl, ils voulaient qu'on les porte, donc on a trois chariots. Heureusement qu'il y a mon chauffeur, franchement, c'est un amour. Je sais pas ce que je ferais sans lui, hein. Vraiment. Déjà là, je suis au bout de ma vie. Et Kaïs, il boude parce qu'il veut aller dans le chariot, ce petit bébé. Bébé Kaïs. Bébé Kaïs. Ah, ça y est, il me parle plus, voilà. Donc voilà les aléas. Je suis au bout de ma vie. Je me retiens de pleurer. Et je me dis que... Tant mieux. Heureusement que j'ai... Que j'ai rien dit, que j'ai voulu garder. Mais arrête de crier, s'il te plaît. Heureusement que je leur ai rien dit. Heureusement que j'ai voulu garder sa surprise. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai même pas envie, j'ai pas envie de pleurer devant l'écran et tout. Surtout pas devant les enfants, mais... Je suis tellement dégoûtée, énervée. Bref, du coup là, mon chauffeur, il est allé voir pour récupérer les bagages, voir pour le remboursement, sachant que j'avais pris l'aller-retour. C'est censé rentrer mardi. Bref, la vidéo, je vais l'arrêter là. Ça sert plus à rien de continuer. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu prendre l'avion. Étant donné que je suis restée... plusieurs mois sur le territoire turc et que je n'avais pas la carte de résident, j'ai fait plusieurs allers-retours et donc ils m'ont dit que si je partais, je ne pouvais pas revenir avant 3 mois. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque pour plein de raisons différentes dont franchement j'ai pas forcément envie d'en parler pour éviter de nous porter la poisse. Donc voilà, finalement on a galéré pour récupérer tous les bagages. On a attendu des heures à l'aéroport, c'était vraiment, vraiment horrible. Mais bon, c'est la vie.